Bonjour tout le monde. Alors voilà, j'espère que vous êtes là. On est lundi matin. C'est parti pour une nouvelle semaine de confinement. En tout cas pour moi, comme pour beaucoup de coachs sportifs. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes motivés pour une petite séance de circuit training ce matin. Donc, on commence la semaine avec ça. Un petit circuit avec 8 exercices. On va un peu tout travailler, comme d'habitude. Et puis, après ça, à 10 h, une séance de Zumba sur Zoom pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, si vous êtes là, faites-nous un petit coucou. Présentez-vous. Salut Christine. Voilà, j'espère que ça va, que vous n'avez pas de bobos. Alors, attention, hein, je remets une petite alerte. Soyez prudents sur ces séances sur Facebook parce que moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas travailler. Donc, je ne sais pas du tout comment vous vous placez. Donc, ça, c'est vraiment le risque avec des séances comme ça. Sans retour du coach, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Ne forcez jamais sur une douleur. Et essayez vraiment de faire attention à votre posture, à vos alignements pour ne pas vous faire mal. Hein, force pas. Si vous forcez sur une mauvaise posture, vous risquez de vous blesser. Donc faites très attention à ça. C'est ce qui m'inquiète un peu moi avec ces séances-là. Voilà. Donc je remets un petit avertissement. Faites gaffe, gaffe à vous. Voilà, ne vous blessez pas. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller aux urgences. Hein. Salut Véronique. Toujours fidèle au poste. Alors pour cette séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chaise. Je pense que tout le monde a ça chez soi. Alors une chaise assez solide quand même, hein. Pas un truc un petit, pas une chaise bancale ou fragile, parce qu'on va s'appuyer dessus. Voilà, ça sera l'accessoire du jour. Donc je vous laisse 2 minutes pour aller chercher votre chaise, si vous en avez une. Voilà, 8 exercices. On va faire 50 secondes d'exercice, 15 secondes de récup entre chaque exercice et sur les 50 minutes, on fera 3 tours. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde nous rejoigne. Pour l'instant, on est 3. Enfin, vous êtes 3. Voilà, n'hésitez pas à faire coucou quand vous arrivez. De toute façon, il y aura le replay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les séances en replay. N'hésitez pas à me faire des suggestions, hein. On pourra faire des séances. J'ai prévu de faire une séance avec élastique bientôt, une séance avec bâton, avec d'autres accessoires. J'espère que vous n'avez pas eu trop de courbatures après la séance de vendredi. Moi, j'ai eu des petites courbatures quand même. J'espère que vous gardez le moral. A priori, la situation se maîtrise, donc on peut espérer arriver à déconfiner tout doucement. Je l'espère en tout cas. On verra bien. Alors pour l'instant, vous n'êtes que 3. Attends, j'attends encore 1 minute et on y va. On attaque. J'espère que vous, ça va. Et puis voilà, hein, faut y croire, hein. Alors, je vais profiter moi du confinement pour faire quelques petites spécialisations, petites formations supplémentaires. Je vais faire une formation sur le sport et la grossesse. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, ça sera dans mes compétences. Je vais aussi faire une formation sur les fascias. Donc, ça va être bien aussi. Ça sera plus en janvier, ça. Voilà. Donc, on en profite, hein. Il faut mettre tout ce temps libre à profit. Merci Véronique. Ah bah oui, t'as fait encore plus que d'habitude là. C'est bien. Il y a au moins des avantages. J'essaie de me mettre au yoga, je me suis mis un défi, je me suis lancé le défi d'arriver à faire
Un gainage inversé, une posture inversée, ben c'est pas facile. De stabiliser les fesses au-dessus de la tête, c'est très difficile. Il y en a peut-être qui y arrivent déjà. Allez, on y va, on attaque. Et puis, on verra bien qui nous rejoindra. Alors, petit échauffement d'abord. Je vais mettre un peu de musique, on verra bien si on ne la coupe ou pas. Normalement, j'espère pas. C'est parti. Allez, on va d'abord les épaules. Ok, voilà pour l'échauffement. Alors je baisse un peu la musique. Alors ben, le Swiss ball, le problème c'est que j'entends bien Véronique. Le Swiss ball, c'est que le problème, ils sont coincés au CSA et j'aimerais bien que les gens les récupèrent. Je sais pas comment faire pour que les gens récupèrent leur Swiss ball.
Il faut que j'aille au CSA, qu'on se donne rendez-vous. Je ne sais pas si c'est autorisé. C'est compliqué parce que j'ai plein de filles qui ont des Swiss balls, mais qui sont les Swiss balls, et elles les ont pas chez elles. Alors, je peux faire une séance Swiss ball, mais bon, je ne sais pas qui c'est que ça va intéresser. Si les gens n'ont pas leur Swiss ball, ils vont être un peu frustrés. Alors voilà, j'essaie de trouver, je ne sais pas comment, faut que je questionne un petit peu les gens. J'attendais un peu le 1er septembre pour, le 1er décembre pour savoir si on allait déconfiner ou pas, mais bon, j'ai de gros doutes. Allez, on y va, on attaque. Donc, 50 secondes d'exercice, on commence par un sprint. C'est parti. Donc, le sprint, vous y allez tranquillement. Donc, soit vous décollez à peine les genoux, soit vous montez un peu les genoux. Vous y allez à votre rythme, on y va. C'est parti. 50 secondes. Démarrez tranquillement. Il y aura 3 tours. Donc, voilà, on court sur place. Plus on va monter les genoux, plus on va accélérer. On se tient droit. On engage les abdos, on baisse les épaules et on essaie de respirer lentement, profondément. Mon téléphone. Ok, on récupère. On enchaîne avec un squat et un maguéri. Donc le squat, largeur d'épaule. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Moins derrière les fessiers, poids dans les talons. On se redresse bien droite sur le coup de pied et on alterne droite-gauche. J'inspire, je souffle. On rentre le ventre sur le coup de pied. Avec une légère rétroversion du bassin. Pour éviter de pencher les épaules vers l'arrière, on se tient bien droit. J'inspire, je souffle. On peut très bien garder la jambe en bas, pas de problème. On engage les abdos en soufflant. Je rentre le ventre. On enchaîne avec les dips. C'est là qu'on a besoin de la chaise. Donc, on s'appuie. Les mains sous les épaules. On avance un petit peu les fessiers ici. On avance les talons sous les genoux. Je fléchis les coudes vers l'arrière. Je souffle, je remonte. Allez, j'inspire, je souffle. Plus je vais avancer les pieds, plus ça va être difficile. J'inspire, je souffle. Attention, il n'y a que les coudes qui fléchissent. On n'est pas en train de rajouter un gainage. On peut le faire si on veut, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, d'abord les bras. Là, c'est vraiment un travail des bras. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore une dizaine de secondes. Courage. Alors, si je vais trop vite, vous avez à votre rythme. Hein. Vous avez vos 50 secondes. Pour vous. Top. On récupère. On détend et on va enchaîner avec une planche. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez vous mettre sur la chaise, en planche, les mains sous les épaules, ou bien sans la chaise. Toujours les mains sous les épaules. On aligne tout. Le sommet du crâne dans le prolongement du dos. Allez, on serre tout et on tient bon. On rentre le ventre, on serre bien la ceinture, on empêche le bassin de descendre. On ne monte pas non plus. On s'aligne, allez, on cherche vraiment à étirer le dos, à aspirer le nombril. Long 50 secondes. Alors, on
On enchaîne avec un coup de genou. On va reculer la jambe droite, avancer le genou gauche et on va monter la jambe droite ici. Assez soutenu le rythme, hein. On va le faire en cardio. Attention, ici le genou derrière il reste au-dessus du talon. Et on rentre le ventre à chaque fois. Plus vous mettez votre poids de corps vers l'arrière, plus ça va travailler au niveau des fessiers, ici au niveau de la jambe de terre. Allez, ça chauffe. Courage. Top. Alors, toujours cette jambe droite, on va avancer avec la jambe droite en pente, d'accord? Et on va remonter en levant le genou. Je descends, j'inspire, je souffle. Gardez l'espace du bassin entre les pieds et vous revenez avec le genou en l'air. Inspire, souffle. Le buste bien perpendiculaire au sol. Surtout, on n'avance pas le buste, on se penche pas en avant. C'est parti. J'inspire, je souffle. On essaie de se grandir quand on remonte. C'est mon talon qui s'enfonce dans le sol ici. C'est la jambe arrière qui descend, qui guide le mouvement. Je souffle en remontant pour me servir les abdos. Très bien. À l'autre côté après. Après, des pompes. Alors, je remonte juste les pompes. Vous avez toujours plusieurs options. Débutant au mur. Ici. D'accord? Main sous les épaules. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Hop. On peut faire des pompes aussi avec la chaise. J'inspire, je souffle. Je descends tout, je remonte tout. On essaye de ne pas creuser le dos. On engage les abdos pour remonter en soufflant, d'accord? Sinon, pompe sur les genoux. Genoux dans la largeur du bassin. Donc, les genoux ne se touchent pas, pieds au sol. On descend les omoplates. On a les mains sous les épaules. Donc on est bien en planche, attention, on n'est pas ici, hein, on descend tout, on remonte tout. Ou alors pompe sur les pieds pour ceux qui maîtrisent. C'est parti, donc vous avez 50 secondes, si vous voulez faire 3 pompes en 50 secondes, c'est possible. Hein. D'accord? Vous y allez tranquillement. Les pompes, hein, ce n'est pas la vitesse qui compte, au contraire, j'ai envie de dire, plus c'est lent, plus c'est difficile. Donc j'inspire et je souffle. J'essaie vraiment de maîtriser. Tout descend, tout remonter. Tout d'un bloc. J'inspire, je souffle, je rentre le ventre. Allez. On engage tout ce qu'il faut engager. Plus on freine la descente, plus c'est difficile. Donc n'hésitez pas, essayez de freiner, garder l'alignement le plus longtemps possible jusqu'au bout. Top. Hop, hop, hop. Attention, extension arrière pour le dernier exercice. Donc là, vous pouvez prendre un tapis. Hop. Vous mettez sur le ventre. Hop, à plat ventre. Ici, vous allez avancer les bras dans la largeur des épaules. Et vous mettez en appui ici sur les bras. Donc, on est avec le buste légèrement décollé, surtout les omoplates abaissées, descendues. Et on va venir ouvrir d'un côté. On reste du même côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On relâche les jambes, d'accord? Ici, il n'y a que le haut du corps qui va travailler. Allez, c'est parti. 50 secondes comme ça. On y va.
Surtout, gardez bien les épaules basses. On ne rentre pas la tête dans les épaules. Et on souffle sur le mouvement. Ça, c'est un exercice qu'on retrouve dans la strong en ce moment. Relâchez les jambes. Hein. On n'est pas en train de décoller les jambes. Et top. On fera l'autre côté après. Voilà, pour le premier tour, buvez un coup. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Faites-moi un petit coucou. Si vous êtes encore là, normalement oui, le direct s'est pas arrêté parce que des fois avec la musique, j'ai baissé la musique. Hein. Je vérifie que j'ai toujours ma connexion parce que bon. Toujours là. Je vois que vous êtes quatre. Alors on va repartir pour un sprint. Ok, salut Audrey. Merci. Donc, on repart pour un sprint, c'est parti. Donc, c'est le deuxième tour. Si vous avez de l'énergie, allez-y. Ok, Christine, merci. Hop, je remonte un peu la musique. Et c'est parti dans 10 secondes. Donc, vous allez à votre rythme. Hein. C'est parti. On se tient bien droit. On respire lentement, profondément. Et si on va accélérer, on lève les genoux. Les mains sur les épaules, on avance. Les jambes, j'inspire, je souffle. Attention, hein, on n'a pas les talons sous les fesses. Les talons, ils sont au moins sous les genoux, voire plus loin. Allez, on y va. Fléchis les coudes, tends les bras. Fléchis, tendu. Inspire, souffle, serre les bras. Et
Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Un peu plus lentement. Et top. Voilà, on relâche. Et on vient en planche. Donc soit sur la chaise, soit au sol. Et c'est parti. Alors, on allonge tout. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous pouvez décoller une jambe, puis l'autre. Pourquoi pas un bras, puis l'autre. Si au contraire c'est trop dur, on peut poser les genoux, rester en planche ici, descendez bien vos omoplates. Choisissez votre difficulté. Écartez bien les doigts hein, quand vous appuyez au sol. Et respectez bien les alignements, toujours les appuis sous les épaules. Stop. Allez. Ici, de l'autre côté, rappelez-vous du cardio. Coup de genou. Reste bien avec le genou au-dessus du talon. Le genou arrière, il ne bouge pas. Et on souffle. En rythme, c'est parti. Allez, encore. On a fait la moitié. Ça commence à chauffer la jambe d'appui, c'est normal. On monte les bras, on ne monte pas les épaules, attention. On rentre le ventre à chaque fois. Ça chauffe. On enchaîne avec pente avant, montée de genou. Pied dans la largeur du bassin. J'inspire, je souffle. Ok? C'est parti. Inspire, souffle. Le buste bien droit. Le genou il reste au-dessus du talon devant. Et c'est la jambe arrière qui guide. Et si je vais trop vite, ralentissez. Chacun son rythme. Sachant qu'il reste encore 15 bonnes secondes. Ok, pompe, pardon. Pompe. Les pompes, vous choisissez vos pompes. Rappelez-vous, vous pouvez les faire sur la chaise. Ok. J'inspire, je souffle. Encore, on peut les faire au mur ou sur les genoux. D'accord. On descend bien les omoplates, on allonge la tête. On inspire, on souffle. Donc, on soit là. Oula. On souffle, on engage les abdos pour remonter. Et on en fait autant qu'on veut. Et top. On termine sur le ventre. Extension arrière. On descend les omoplates. On se redresse. Et
On vient chercher derrière. Inspire, je souffle. Inspire et souffle. Étire un peu, on récupère avant le dernier tour. Ça va les filles? Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Alors je vais ouvrir un peu ma fenêtre. Alors, prête pour un troisième tour? Toujours là? Toujours bon de savoir qu'on ne transpire pas seul. Allez, on va réattaquer avec le sprint. Si vous êtes toujours là, faites-moi un petit pouce. Et j'y vais. Alors, je remets un peu de musique, un peu de rythme. En 10 secondes. Allez, c'est parti. On redémarre pour le sprint. Donc, c'est le troisième tour. Si vous fatiguez, vous ralentissez la cadence. Si au contraire, vous êtes lancé, allez-y. Vous pouvez accélérer. Pour 10 secondes, on peut accélérer. Et top. Super. Merci. Ok. Alors, squat avec Magali, on va alterner. Ok. Cette fois-ci, on alterne. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ici. Oula. Allez, inspire et souffle. Rentre bien le ventre sur les coups-pieds. Légère rétroversion pour ne pas reculer les épaules. C'est pas ça, hein? Attention, hein? On bascule pas le poids de corps en arrière. Le dos reste droit. Allez les dips, dernière série. Je sais, c'est pas notre préféré celui-là. On fléchit bien les coudes vers l'arrière et on monte
Inspire et souffle. Et plus on avance les pieds, plus c'est dur. Sortez bien la tête des épaules. Attention à la tête, vous pouvez descendre. Stop, on étire et on remonte. Avec les genoux, on va en faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Nous allons aller jusqu'au bout. Ok, genoux alternés, ici sur la tempe. Et je descends, je change les jambes à chaque fois. Inspire, souffle, on garde bien la largeur du bassin, entre les pieds. Même principe que tout à l'heure, sauf qu'on alterne. Allez, ici on concentre sur les abdos, on rentre le ventre en remontant. Largeur du bassin, descend les omoplates, inspire et souffle. Donc ralentissez, on en fait moins, mais on le fait bien, on s'applique. Vous voyez, bon, si je fatigue, c'est normal. Alors on repousse le sol, creuse le ventre, sans arrondir le dos, et on rentre le ventre en remontant.
Ok, top. On vient sur le ventre. Cette fois-ci, on va mettre les mains sur les côtés. Les deux mains. On relâche les jambes. Et sur l'expiration, on décolle que le haut du corps. On y va. J'inspire, je souffle. Voilà, pour ce circuit training, est-ce que ça va? On va s'étirer en douceur. Est-ce que vous êtes toujours là? Si oui, faites-moi un petit coucou. Buvez surtout. Alors, je vais mettre une petite musique douce. Yes, bon. C'était long, 50 secondes. Exact. C'est pour ça qu'il faut absolument adapter à votre effort. Si vous sentez que c'est trop long, ralentissez les exercices, vous les faites plus lentement, vous en faites moins. Et c'est très bien aussi. Allez, on va s'étirer debout. On a tout travaillé, donc on va tout étirer. Inspire et expire. Relâchez. Inspirez. Encore. Dernière fois, on va descendre. On descend. J'ai entendu. Et on relâche bien. On se balance, droite, gauche. En relâchant les bras, les épaules, la tête. Alors, essayez de sentir ce qui se passe dans le bas du dos. Et on vient attraper d'un côté avec les deux mains. On attrape de l'autre côté. Et on revient au milieu. On écarte un petit peu plus les pieds. On va pousser les fessiers vers l'arrière. On rapproche. Et ici, on va écarter les genoux avec les coudes, on attrape les genoux. Attention, on ne descend pas les fesses trop bas, d'accord? Pas plus bas que les genoux, on reste avec les fesses légèrement au-dessus des genoux. Puis les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses, tendez les bras. Et vous allez pousser le sacrum vers le sol ici, en haut le sacrum, on allonge le sommet du crâne. Dans la direction opposée. On allonge le dos, on descend bien les omoplates. Le dos le plus étiré possible. Et on vient ouvrir d'un côté. Et de l'autre côté. Et le dos rond sur l'expiration. Inspire dos plat et dos. Encore une fois, et on déroule le dos. On va
avec celui-là que j'aime bien. Poser la main sur la taille ici, sur la hanche. On vient attraper le coude avec le bras opposé. Et on va faire partir le coude vers l'arrière. Le mouvement, il est là. Les épaules, elles n'ont pas bougé, le reste de face, d'accord? On n'accompagne pas le mouvement, c'est que le bras qui va partir, qui va entraîner mon autre bras dans l'étirement. Donc là, je vais étirer ici. Je prends mon inspiration et j'expire. Même chose ici. Inspire, expire. Les triceps, on vient bosser aujourd'hui, on attrape le coude ici, on fait descendre la main derrière entre les omoplates, on rentre sur le ventre, on ne pas tendre le dos, on s'ouvre, on tire. Relâchez, même chose ici. Les trapèzes, poser la main sur la tête et aller chercher le sol avec l'autre main, tout doucement sur l'expiration. L'autre côté, j'expire et j'expire. Et on relâche. Bien, on va se servir de la chaise pour étirer les cuisses. On va poser ici un pied sur la chaise, la jambe d'appui légèrement fléchie et je vais pousser surtout mes fessiers vers le ciel ici, me pencher en avant en gardant le dos plat. Je rentre le ventre, j'expire, je peux ramener mes orteils vers moi. J'essaie de garder mon bassin aligné. Pour sentir l'arrière des cuisses qui s'étirent. Même chose de l'autre côté. Je pousse mes fessiers vers le ciel. Je descends en rentrant le ventre. Et je relâche. Très bien. Vous pouvez garder la chaise à côté de vous pour étirer vos biceps tranquillement. Serrez les genoux, serrez le ventre, montez le pied derrière et rentrez le ventre sur. Et pour bien étirer les fessiers, on vient travailler aussi. On vient ici. Je serre le ventre. Je coupe le pied derrière en gardant bien les genoux collés. Ensuite, je pose au-dessus et je fléchis la jambe. Et relâche. Regardez. La chaise, vous pouvez tirer le dos. Alors, soit avec le dossier, soit avec l'assiette, vous pouvez aussi. Hein. C'est très bien. Donc, ici, les jambes, on va dire un peu plus larges que la largeur des épaules. Je vais fléchir les genoux légèrement et je vais pousser mes fessiers vers l'arrière. Avancez un petit peu les pieds hein, pour avoir le dos le plus étiré possible. Et je rentre le ventre. Et doucement. Voilà, je suis bien détendue.
relâcher. Bravo pour cette séance. Merci beaucoup les filles et puis ben, merci à tous ceux qui suivront en replay cette séance ou sur YouTube. Je vous fais des grosses bises, j'espère vous retrouver très vite en chair et en os. Et je vous retrouve sinon dans 5 minutes sur Zoom pour la Zumba. Gros bisous à tous, à toutes, à très vite.